Ban filan kan ke jigar kan u ban na ko yir kan 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 ta yu yamba ko u do ni ben ko rendu La commune de Boutou est l'une des 8 communes que forme la province de la Tapoua. Elle regroupe 24 villages administratifs avec de nombreux hameaux de culture. La population de Boutou est de 46 000 habitants avec le recensement de 2004. La population de Boutou est constituée de plusieurs communautés en lien avec l'historique du peuplement de la commune, mais aussi aux flux migratoires plus récents. Les Gounmatchés, qui sont les autochtones, l'ethnie majoritaire, vivent en parfaite harmonie avec les autres communautés que sont notamment les Peuls, les Mossi, les Haoussa et les Djermans. Cette grande diversité ethnique contribue d'une manière considérable au développement de la vie socio-économique de la zone. La commune a une organisation traditionnelle qui découle d'un ensemble de valeurs, de pratiques et de croyances. Des pratiques comme la géomancie sont très déterminantes dans tous les actes majeurs de la vie sociale de la communauté. En général, la commune présente un terroir marqué par une perte importante de biodiversité et une évolution vers des formations végétales de type sahélien. Cette situation est principalement due à la forte pression agro-pastorale et à d'autres pratiques néfastes pour les sols. Il y a des rivières même qui sont carrément enterrées par le sable. Aussi, on va parler de la rivière de Kiankiabanga où on pêchait même. Aujourd'hui, ce n'est pas l'eau. C'est du sable qui est posé là-bas. On note ainsi la disparition de certaines espèces, ce qui amène les populations à aller de plus en plus loin dans la forêt pour la collecte du bois de chauffe et pour l'exploitation de certains produits forestiers. Tous les baobabs même sont tombés. Et c'est de là viennent nos sauces avec les feuilles de baobab. Aujourd'hui, c'est un problème. Donc, avec nos petits moyens, nous arrivons à reboiser quelques parties de nos sols. Nous comptons faire des réserves, bon, des petites forêts. Même si la commune est frontalière du parc W, cette ressource lui est pratiquement inaccessible. Car cette partie du parc est sous la juridiction nigérienne. Avec en moyenne 700 mm d'eau recueillie chaque année, l'accès à l'eau potable dans la commune reste quand même un problème crucial. C'est
Cela est dû à l'insuffisance des points d'eau et au mauvais fonctionnement du système d'addiction existant. L'élevage est la principale activité économique de la commune. L'importance est donnée au système agro-pastoral qui est sédentaire, mais l'élevage pastoral est le plus répandu. Il est marqué par la transhumance avec le pâturage naturel comme principale source d'alimentation pour le bétail. Mais la régression des terres de parcours et l'occupation des couloirs d'accès dues à la progression du front agricole font obstacle à l'épanouissement de cette activité. Et les éleveurs quittent Botou pour d'autres communes, d'autres rentrent à Partiaga, d'autres rentrent à Diapaga, Tansarga. Ils n'ont pas de lieu pour cultiver, les animaux n'ont pas où s'arrêter, les éleveurs quittent, les paysans aussi quittent la commune. L'agriculture occupe le second rang en termes d'activité économique. Les producteurs sont réunis pour la plupart en groupement et cultivent principalement du sorgho, du maïs, du mil et de l'arachide. Mais la dégradation continue des sols due au surpâturage et à l'érosion éolienne et hydrique a entraîné une forte diminution des terres cultivables et des conflits fonciers de plus en plus fréquents dans la commune. Malgré l'aridité des sols, le maraîchage est quand même pratiqué dans la commune. Les produits sont vendus sur le marché local, mais ce secteur est confronté aux difficultés d'approvisionnement en semences et aux problèmes de transformation et d'écoulement. En 2008, la commune a entamé, sous la supervision méthodologique d'une ONG internationale, le processus d'élaboration d'un document de planification environnementale. Un grand travail de terrain et d'implication de tous les acteurs a été mené pour réaliser l'analyse du milieu et identifier les axes stratégiques d'intervention environnementale. C'est un document dans lequel il ressort les potentialités, les problèmes environnementaux, les causes, les conséquences et même les solutions, les propositions de solutions des populations elles-mêmes. Un effort aussi grand a été dédié au traitement des informations, à la restitution des résultats dans les villages et à la finale appréciation et adoption du conseil communal. Désormais, le plan communal d'action environnementale fixe les axes d'intervention par domaine ainsi que les actions prioritaires par village. Il s'agit maintenant de rechercher et canaliser les sources de financement du plan, établir des partenariats privés et publics, fixer les mécanismes de subvention et mettre en place un système de suivi et évaluation. Un fonds de financement a été lancé en 2009 pour la réalisation des micro-projets environnementaux. Article 10. Subvention du projet. Le défi pour une gestion communale des ressources naturelles a été lancé. Entre-temps, l'éducation environnementale des plus jeunes prépare le terrain. Merci.
c'est un animal. Thank you.